Pour sa troisième édition, le trophée Imopa réunissait sûrement le plus beau plateau de joueurs dont on puisse rêver. Une semaine échequeyenne riche en suspense et en rebondissements que nous vous proposons de revivre. Première journée et premier choc entre l'ancien champion du monde, le russe Anatoly Karpov, tête de série numéro 2 du tournoi, et son compatriote Evgeny Bareyev, 8e joueur mondial. Je vous rappelle que les matchs se jouent en deux manches de 50 minutes gagnantes, avec un blitz de 11 minutes en cas d'égalité. Dans la première partie, Bareyev avec les blancs fait une ouverture ouest indienne. Dès le début de cette première manche, on se rend tout de suite compte de la différence de style entre les deux russes. Autant Bareyev semble à l'aise dans le jeu rapide, autant Karpov a du mal à exprimer son jeu profond et sophistiqué, basé sur une intense réflexion. Avant cette rencontre, Evgeny Bareyev pouvait se targuer déjà d'une victoire sur Karpov lors du tournoi de Linares, ainsi que d'une troisième place à Dortmund. À 25 ans et un classement mondial de 2670 ELO, Bareyev prouve que sa 8e place mondiale n'est pas usurpée. Il avait d'ailleurs déjà réussi un beau parcours, ici même à Paris en 1991, avec des victoires sur le français Joël Lautier et l'anglais Nigel Short, avant d'être battu en demi-finale par Kasparov. Anatoly Karpov, quant à lui, n'a pas spécialement brillé en semi-rapide cette saison, mais l'ancien champion du monde reste toujours à 41 ans, le numéro 2 mondial, derrière Kasparov, avec un classement de 2715 ELO. Il reste sur une élimination au premier tour à Bruxelles et fut éliminé l'an passé à Paris en quart de finale contre le Hollandais Jan Timman, futur vainqueur de l'épreuve. Finalement, Bareyev aura raison de la lenteur de Karpov et remportera la première partie en 53 coups. Après sa défaite dans cette première manche, Karpov regagna très vite sa loge, semblant être éprouvé et marqué physiquement. Dans la seconde manche, Karpov, beaucoup trop lent, aurait dû s'incliner 2-0 sans un miracle, gambit avec la dame, qui lui permit d'égaliser à un partout. Mais Bareyev allait confirmer sa meilleure maîtrise des parties rapides dans le blitz de départage. Après une ouverture ouest indienne à nouveau et 34 coups, il crée la première surprise de ce trophée en éliminant l'ancien champion du monde devant une salle comble pour ce premier match. Autre huitième de finale entre l'Indien Anand et le Britannique Adams, et surtout le plus beau match de ce premier tour. Impressionnant de technique, l'Anglais domine Anand dès la première partie grâce à une ouverture sicilienne et en 55 coups. Dans la deuxième partie, Anand va rapidement prendre l'avantage, mais Adams, héroïque en défense, réussit à sauver le nul, mais perd la manche au temps. Visvanathan Anand est donné légèrement favori dans le blitz de départage, blitz qu'Adams entame avec les blancs par une ouverture sicilienne. Les deux joueurs font preuve d'une technique irréprochable et prouvent qu'avec Kasparov, ils constituent le trio maître du jeu rapide. Adams, qui restait pourtant sur une victoire contre Anand lors de la Coupe du Monde des semi-rapides, connaît les pires difficultés pour poser son jeu. Quant à l'Indien, surnommé Lucky Luke parce qu'il joue plus vite que son ombre, l'objectif est simple, non seulement il souhaite prendre sa revanche, mais il espère en plus faire mieux que l'an passé où il fut demi-finaliste à Paris. Visvanathan Anand, âgé de 22 ans, est numéro 5 mondial avec un classement de 2690 ELO, alors que Michael Adams et ses 20 ans se situent à 2610 ELO. L'Anglais est en quelque sorte l'outsider de ce tournoi, puisqu'il fut le sélectionné de la dernière minute après le forfait d'Ivanchuk. Adams est donc plus qu'un remplaçant de luxe, surtout après son succès lors du tournoi de Bruxelles. Finalement, Anand, que l'on avait pourtant senti crispé et en manque de confiance dans la première partie, parvient à faire la différence en 58 coups et à l'emporter dans ce blitz de départage, prenant ainsi sa revanche au terme de trois parties titanesques et haletantes qui resteront dans les annales. C'est ce que l'on appelle vaincre le cygne indien. L'autre grosse surprise de ces huitièmes de finale va venir d'une petite Hongroise de 16 ans, Judith Polgár, qui affrontait en effet le Hollandais Jan Timman, tenant du titre et finaliste du tournoi des candidats au championnat du monde. Dans la première partie, Timman prend l'avantage après une ouverture est-indienne, mais ensuite il refuse le nul par répétition de coups et finalement s'incline après 42 coups. Jan Timman battu lors de la première manche, la surprise était de taille.
Judith Polgar n'est pourtant pas une inconnue, puisqu'elle occupe la tête du classement mondial féminin depuis l'âge de 12 ans et qu'elle détient le titre du plus jeune grand maître de l'histoire. Classée autour de la 70e place mondiale avec 2575 Elo, on imaginait mal la Hongroise mettre en danger le tenant du titre. Surtout que ce dernier venait peu de temps auparavant de se qualifier pour la finale des candidats au titre mondial face à Nigel Short et en éliminant Youssoupov. Peut-être le Hollandais a-t-il sous-estimé sa jeune adversaire, toujours est-il que dans la deuxième partie, Polgar réitère son exploit grâce notamment à un sacrifice de qualité, tour contre cavalier, réalisé à un moment clé du match. La cadette du tournoi se qualifie ainsi pour les quarts de finale, sous l'ovation du public venu extrêmement nombreux pour l'occasion au Théâtre des Champs-Élysées. Autre huitième de finale passionnant entre le français Joël Lautier et l'américain Gata Kamsky. Dans la première manche, le jeune champion français prend le nul dans une Grunfeld en 31 coups. Une bonne affaire pour Kamsky car Joël est toujours très redoutable avec les blancs. La deuxième partie avec les noirs s'annonçait donc plus que périlleuse pour le jeune champion français. Kamsky 18 ans, Lautier 19 ans, si l'on ajoute Polgar et ses 16 ans, ainsi que le russe Kramnik, âgé de 17 ans, c'est bien la preuve qu'une nouvelle génération de jeunes joueurs est en train d'arriver sur le devant de la scène internationale. Au classement mondial, Gata Kamsky, originaire de Sibérie, possède un léger avantage sur Joël Lautier, 2655 Elo contre 2580. Mais Joël reste sur une excellente deuxième place lors d'un tournoi de haut niveau disputé en Grèce. Et peut se vanter d'avoir été, à 15 ans, le plus jeune champion du monde junior de l'histoire. Malgré tout son courage dans cette deuxième partie, Lautier en position difficile ne peut éviter la défaite face à un Kamsky redoutable. Le duel des jeunes loups tournait donc à l'avantage de l'Américain au cours d'une Sicilienne en 55 coups. Autre qualifié de ce premier tour pour les quarts de finale, Youssoupov vainqueur de Salov, Kirov aux dépens de Gelfand, victoire surprise de Poulougaïevski sur Short et enfin qualification sans problème de Kasparov contre Kramnik. Quart de finale très attendu entre la jeune hongroise Judith Polgar, surprise et révélation du premier tour, et l'américain d'origine russe Gata Kamsky. C'est la première fois que ces deux grands maîtres se rencontraient en compétition. Dans la première partie, après une ouverture sicilienne de Kamsky, Polgar refuse de répéter la position au 41e coup, qui lui aurait donné la nullité, pour un coup plus hasardeux qui lui fait perdre la manche. Il règne sur ce match une énorme pression psychologique et le premier qui craquera nerveusement ne pourra s'en remettre. Dans la deuxième partie, Kamsky va démontrer qu'il est sur une pente ascendante en dominant à la Karpov, la championne de Hongrie 1992, en 56 coups, se qualifiant ainsi pour les demi-finales. Malgré sa déception, Judith Polgar a prouvé qu'elle n'était pas le plus jeune grand maître international de tous les temps, avant même Bobby Fischer pour rien, et on devrait à coup sûr entendre parler d'elle dans les prochaines années. Le dernier quart de finale opposait le champion du monde Garry Kasparov à une autre surprise de ce tournoi, le russe Poulougaïevski, tombeur de Nigel Short au premier tour. Kasparov remportera facilement la première manche en 57 coups après une ouverture ouest-indienne. Dans la deuxième partie, il utilise l'une de ses ouvertures favorites, l'est-indienne, ouverture qu'il utilisa notamment en 1990 à Lyon contre Karpov au championnat du monde. En outre, Kasparov avait demandé à étudier toutes les parties jouées jusqu'ici. C'est bien la preuve que le champion du monde a décidé de ne rien laisser au hasard dans ce tournoi. Mais l'extrême complexité du jeu proposé par Lev Poulougaïevski, par contre, ne surprend personne.
Depuis plus de 30 ans, celui que l'on surnomme Polou, grand théoricien, a su se maintenir parmi l'élite, atteignant par 3 fois le stade de candidat au titre mondial. Mais Kasparov est dans une forme ascendante puisqu'il vient de remporter 2 tournois coup sur coup, Linares et Dortmund, et réussit à déjouer les pièges de son adversaire pour s'imposer en 44 coups seulement. Pas de doute, Garry Kasparov sera bien une fois de plus l'homme à battre de ce tournoi. Dans les 2 autres quarts de finale, on notera la qualification d'Evgeny Bareyev aux dépens de Yusupov, ainsi que celle de l'Indien Anand face à Kirov. Maintenant, nous vous proposons de suivre les meilleurs moments des 2 demi-finales et de la finale, en commençant par le match entre Bareyev et Anand, aux commentaires Olivier René, grand maître international, Nicolas Giffard, Eric Berningham et Pierre Nolot. Nous allons assister à la première partie de cette demi-finale. Bareyev à les blancs contre Anand qui a donc choisi de jouer avec les noirs cette première partie. Alors Pierre Nolot ici présent va nous présenter un peu ces deux joueurs. Alors Viswanathan Anand est un joueur indien, donc il n'est pas si étonnant que cela de voir un joueur indien sur le circuit car les échecs ont toujours été extrêmement populaires en Inde où ils sont nés d'ailleurs il y a 15 siècles. C'est le 5e joueur mondial. Il a été champion du monde junior en 1987 et depuis il fait partie des 10 meilleurs joueurs du monde et il n'a été éliminé dans le cycle de championnat du monde cette année que au stade des quarts de finale et de peu par Anatoly Karpov. Evgeny Bareyev est moins connu qu'Anand, il est pourtant actuellement le 8e joueur mondial et il a déjà occupé la 4e place dans la hiérarchie mondiale. Il a 26 ans, 3 ans de plus qu'Anand. Mais c'est un joueur, parce qu'il est soviétique, qui évidemment ne fait pas partie des tout plus forts joueurs de son pays, puisqu'il est barré, comme vous le savez, par Karpov, par Kasparov, par Shirov, par Gelfand, par Ivanchuk. Alors on a l'impression que l'Indien va jouer sa tour D8, car maintenant la menace des Blancs est F5, F6, avec une menace de fourchette. Mais où mettre cette tour, Nicolas, s'il bouge sa tour? Peut-être en D6. Et comme ça, sur F5, F6, on ferait tour, prend pion, E6. Voilà, bien joué. On m'a entendu. Ça. Manque de chance, il ne peut pas mettre le roi en G6 puisque les noirs font dame avec échec. Roi G7 semble être le meilleur coup. Oui, puisque sur Roi E7, les blancs continuent par tour A7 échec et c'est très difficile d'échapper à l'échec perpétuel. On peut revenir, Nicolas, dans ce cas-là. On pourrait jouer aussi Roi E8 avec l'idée de couvrir avec la tour D8. Exact, oui, ça gagne aussi. On a l'impression que le plan G2 va aller à Dame. Or, bien sûr, la position blanche serait complètement gagnante si ce pion passé n'existait pas. Alors, quelle est la tâche d'un pion passé là? Vraiment, c'est pour les gens qui ne connaissent pas les échecs bien. Ce pion G2, s'il va jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il peut être transformé en dame, même si on a déjà une dame d'ailleurs sur l'échiquier. En général, c'est en dame qu'on le transforme, mais aussi en tour, en fou, en cavalier. C'est ce qu'on appelle la promotion. Le pion arrivé sur la 8e peut être promu en n'importe quelle pièce. Alors, la plupart du temps, c'est une dame. Alors, Anand, j'ai l'impression, reste lucide et utilise son capital temps cette fois puisqu'il est vraiment très très près du gain. Il doit prendre son temps. Mais il recueille les fruits de sa stratégie maintenant, il a tout son temps pour finir son adversaire. On a l'impression quand même que le roi... Alors, de quoi a-t-il peur? Sur roi G7, que se passe-t-il? Tour A7 échec. Oui, roi en H6, voilà, il le joue. Donc E7.
Oui, mais là, les noirs vont faire dame et puis ils vont faire échec et mat. Alors, ils vont peut-être, il va peut-être y avoir une sous-promotion cavalier. Ça, ça serait extraordinaire. Oui, mais ça serait joli, mais peu efficace. Ah ouais. Aucun risque. Ouais, ah, c'est... avec une menace cachée. Ouais, mais c'est pareil, il fait roi maintenant, H6 et puis c'est fini. Mais c'était peut-être... Enfin non, ça gagne aussi. Alors la menace, c'est E8, dame, échec à la découverte par la tour A7, le roi étant en G7. Donc en poussant ce pion, on découvre un échec de la tour sur le roi. Les noirs ne doivent pas jouer roi en F7, ça serait une grosse erreur à cause de cavalier D6 échec. Non, ils jouent roi H6, bien sûr. Et là, là ça devrait être fini. Mais là, c'est très très difficile. On a vu à Nantes jeter une toute petite œillade sur Barrief. Peut-être fois, cavalier en D6 pour faire cavalier F7 échec au roi, mais bon, ça ne va pas très loin. C'est les dernières cartouches maintenant. Les carottes ont l'air cuites. Le pion G2 est inarrêtable. Il a vraiment essayé tout jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment un battant ce Barrief. Mais là, il a l'air sur le point de revenir. Voilà. Voilà, donc pour Barrief maintenant, c'est un petit peu mission impossible, mais on va essayer tout de même. Une défense française, ce qui n'est pas une surprise, car c'est la défense préférée de Barrief avec les noirs, contre 4. Une défense avec laquelle il a un assez bon score, mais il est bien évident qu'à Nantes, c'est une position très favorable, puisque même une partie nulle lui suffit. Alors on a moins parlé de Barrief depuis le début de ce tournoi que d'Anand, parce que c'est un joueur qui effectivement est moins connu au haut niveau international. Il a un petit peu quelque part la malchance, étant un joueur ex-soviétique, d'avoir été barré par d'autres joueurs. Ce qui fait que par exemple, pendant longtemps, il a eu un très très fort classement Elo, jusqu'à 2580, sans être pour autant grand maître. Parce qu'il n'avait pas l'occasion de faire ce qu'on appelle des normes de grand maître. Pour ça, il faut jouer dans des tournois où il y a des joueurs étrangers. Et comme on ne le faisait pas sortir du RSS pour jouer ces tournois, et il était le plus fort maître international du monde, mais n'arrivait pas à devenir grand maître. Alors aujourd'hui, évidemment, avec l'explosion de toutes les frontières, eh bien, il a davantage l'occasion de jouer en Occident. Et c'est la raison pour laquelle il est devenu un des 10 meilleurs joueurs du monde. Il se produit une chose intéressante, c'est que Anand, ayant gagné la première partie avec les Noirs, pouvait se contenter d'un jeu tranquille avec les Blancs, bon, faire nul et être qualifié. Et ben non, il choisit les rocs opposés, c'est-à-dire qu'il a mis son roi à l'aile dame contre Barrief qui lui a mis son roi à l'aile roi. Et normalement, ce genre de partie donne lieu à de terribles combats où le plus rapide gagne. Barrief mise sur une fin de partie avec dame et cavalier dans chaque camp. Et ce genre de fin de partie est extrêmement riche en variantes tactiques en fait. Il faut alterner les coups purement de centralisation, purement on dit positionnel, et puis les menaces avec le cavalier et la dame, deux pièces qui se complètent à merveille. Alors là on va assister sans doute à un combat très très intéressant, d'autant plus que la disparition des tours met les pions des deux camps un peu... les rend un peu plus fragiles. Par conséquent, on voit le pion H2 des blancs par exemple n'est plus protégé, le pion A7 des noirs n'est plus protégé. Il y a... En fait, le jeu s'est ouvert en faveur des dames et avec le cavalier en plus, donc chaque camp a beaucoup de possibilités de combinaisons. Ça y est. Alors chacun pousse sa majorité de pions. Attention, ce pion blanc n'est pas protégé, il n'y aurait pas un échec au roi qui permettrait... Dame A2 échec permettrait de gagner le pion A4, mais... perdrait le pion E5. À la fin, le pion, oui. Mais la dame C3, à ce moment-là, se vengerait sur le pion E5. E5, E4 n'est pas possible pour le moment, à cause du coup dame C7 échec, qui gagnerait le pion F4. Anand a posté sa dame en C3 très rapidement, c'est une bonne réaction, car cette dame en C3 est à la fois défensive et offensive. Et il a toujours cette avance au temps. Roi G6. Avec l'idée sans doute de jouer E5, E4, que
que va faire Anand? Alors Anand peut pousser son pion libre à l'aile dame, à 4 à 5, puisque là il sera protégé donc. Mais il peut aussi décider de jouer dame C8 pour donner un échec à G4. Beaucoup d'échecs. Mais à ce moment-là, ça serait laisser la dame noire venir en D2, échec, ce qui est aussi très dangereux. Après dame D2, on irait avec le roi dans le coin. Non, il préfère dame F3. C'est... Ah oui, ça vise aussi cette case G4. C'est la même idée, mais peut-être d'une façon plus forte encore. On peut observer qu'à nouveau, Bareyev peut gagner le pion A4 en jouant dame A2, échec, suivi de dame prend A4. En cas d'échange des dames, les blancs gagneraient maintenant avec pion prend F3. Car le pion passé extérieur permettrait aux blancs d'avoir un gros avantage. Voilà, maintenant si dame prend A4. Et c'est peut-être la meilleure solution quand même. Dame G4 échec. Roi F6. Et sur roi F6, dame prend H4 échec avec une finale roi complètement égale. Ah oui, égale. Peut-être un très léger avantage aux noirs à cause de leur position centralisée, mais on ne peut pas parler véritablement d'avantage. Et puis il est très très dur d'empêcher ces échecs au roi quand on a peu de temps de réflexion. Et en plus, Bareyev a une minute en moins maintenant. Mais l'avantage de Bareyev consistait essentiellement à une meilleure activité de sa dame. Alors chantage maintenant, à l'échange de dames. Chantage à l'échange des dames. Et attaque du pion 5. Et menace dame G4. Alors Bareyev va sans doute faire un autre échec sur la case C1. Là on entre dans un jeu plus pratique que théorique, c'est-à-dire que même... s'il y a un coup meilleur que dame c'est un échec, au moins l'échec au roi... Ah non, eh bien non, il laisse pénétrer donc la dame blanche. Voilà, il prend tout de suite ça, le pion E5. On ne voit pas comment il va gagner maintenant. Eh bien, après avoir perdu le pion E5, on peut dire que Bareyev a perdu tout avantage. A perdu tout avantage et toute chance réelle de gagner la partie. Il va quand même continuer. Regardez maintenant, je ne sais pas si les deux joueurs vont continuer longtemps cette partie qui est visiblement nulle, on peut le dire Nicolas. Oui, d'autant plus que Bareyev, je pense... Voilà, Bareyev. Au premier qualifié de ce trophée Copa 92, vive à la dame. Donc de manière un tout petit peu surprenante, Garry Kasparov choisit de jouer E4. Je dis d'une manière un peu surprenante parce qu'il connaît évidemment très bien le score de son adversaire. Et Kamsky a un bien meilleur score en défense avec les Noirs, donc sur E4 que sur D4. Mais peut-être Garry Kasparov a-t-il préparé évidemment toute une variante contre son adversaire. Alors autant le match précédent était un match entre deux joueurs qui s'estimaient... et qui n'avaient pas du tout d'animosité l'un envers l'autre, autant ce match-ci est chargé d'électricité, car les deux adversaires se sont souvent promis des choses désagréables l'un à l'autre. Nous en reparlerons au cours du match, et leurs rapports sont on ne peut plus froids. Oui, il paraîtrait même que Gata Kamsky ait accusé Garry Kasparov d'avoir empoisonné soit sa soupe, soit son jus d'orange, je ne me souviens plus. À Manille, et c'est de cette façon que Kamsky explique son mauvais résultat de tournoi interzonal de Manille, où il n'avait terminé que 51e sur 64 joueurs. Il dit qu'il a eu un empoisonnement alimentaire et que c'est Kasparov qui avait convaincu le cuisinier de provoquer chez lui cet empoisonnement. Kasparov ici a un avantage. Alors pour l'instant, le pion C3 est attaqué par la dame, donc... Apparemment, les blancs vont devoir prendre des mesures défensives pour ce pion, Olivier. Oui, peut-être le coup le plus logique ici, ce serait dame 1. Donc pour défendre ce pion. Pour défendre C3, et puis la dame en 1 pourrait... Non, il préfère une solution beaucoup plus simple et plus radicale. Tour C1, pour défendre le pion C3 qui était attaqué. Kamsky va quand même devoir faire quelque chose pour ses cavaliers. Il va sans doute jouer son cavalier à F8, puis essayer de le mettre à E6, non?
Alors, il préfère commencer par doubler les tours. Sur la colonne D, donc, qui est une colonne ouverte, qui a apparemment plus d'importance que la colonne A. Alors, autant, il y a à peu près l'égalité. Les deux adversaires ont mis autant de temps pour jouer tous ces coups. Dans environ une minute, c'est-à-dire 30 secondes pour chacun des joueurs, nous allons entrer dans la phase de blitz, c'est-à-dire que les joueurs vont passer en dessous de la barre des 5 minutes. Kata Kamski a quand même des facultés défensives. Mais il a un blitz avec deux fois moins de temps que Kasparov. Et un pion de moins. Et deux fois moins de cases. Peut-être ouais. Fou dessin qui sait. Regardez, les pièces mineures des noirs, ça c'est symptomatique, elles sont toutes sur la dernière rangée. C'est incroyable comment il a réussi à dominer stratégiquement. Fou C2. La tour n'a plus beaucoup de cases de repli, c'est puisque sur tour A3, cavalier C4. Ah bah alors il n'y a pas de cases. Aïe 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 aïe. Donc Kasparov gagne la qualité. Et il doit sans doute faire tour prend E3. Ça c'est très impressionnant. Tour prend E3, c'est la meilleure chance, voilà. Et cavalier B6 maintenant. Mais c'est ce qui s'appelle du bricolage en termes d'échecs. Il a une qualité, un pion et deux minutes en moins. D'un autre côté, il a bloqué le pion. Il a affaibli un petit peu le roi de Kasparov. La position est techniquement gagnée pour Kasparov, bien sûr. Mais il faut se méfier. Dame à C3 sans doute, attaquant le pion E5. Peut-être cavalier H4 pour amener le cavalier F5, non, tour B1. Et il veut enlever sa tour de B4 qui était systématiquement sous le feu de la dame. Dame C3 maintenant. Attaque le pion E5. Attention quand même à notre Kamski en blitz parce qu'il m'a l'air vraiment redoutable. Alors voilà, par exemple, il donne un pion, qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est bizarre ça, ouais. Il a gaffé. Car il prend E5, il peut peut-être faire fou prend H5, mais ça doit pas être franchement terrible. Kasparov se méfie terriblement du client. Il prend quand même le pion. Voilà. Ah oui, Kamski fait un peu n'importe quoi là. Non, c'est fantastique. Si cavalier prend G4, dame prend G3. Dame prend G3. Oh là 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 là. Extraordinaire ressource de Kamski qui va peut-être renverser la vapeur. Ça, c'est extraordinaire. Vraiment, il est très très dangereux. Il a tendu un très joli piège. Alors donc, on répète le piège. Si cavalier prend G4, dame prend G3 échec, roi F1. Et il va reprendre. Et maintenant, il a de bonnes chances de sauver cette partie. C'est incroyable. Il doit être encore perdant, mais le roi blanc est tellement mal fichu que rien n'est clair. Et les cavaliers sont redoutables dans cette position. Surtout avec peu de temps à la pendule. Quel piège extraordinaire. Oui, mais le roi de Kasparov, c'est bien joué de Kasparov, va se réfugier en C1, un havre de paix. Voilà. Et c'est incroyable avec quelle vitesse Kasparov a remanœuvré ses pièces, dame B8. La dame noire va essayer de titiller le roi blanc, mais... Alors avec ce coup E5, maintenant si la dame part de la 8ème rangée, Kasparov fait tour D8 mat. Ah voilà, il est ah, joli, super, il est tombé dans le piège. Combinaison. Si dame prend dame, c'était tour des 8 mat car le fou C2 contrôlait la case H7. Kamski va continuer avec une tour de moins, pas longtemps là, je pense qu'il va s'en aller. Il va bientôt abandonner. C'est trop dur une tour en moins contre le champion du monde. Voici donc la partie revanche où Kata Kamski se trouve dans l'obligation de gagner pour arracher un blitz de départage. Et on va savoir dans peu de coups, voilà, on est reparti dans une Est indienne, partie je le rappelle, qui avait permis à Dortmund, à Kata Kamski, de battre Kasparov. Et ensuite à Manille, Kasparov avait pris sa revanche sur Kata Kamski. Donc c'est bien la belle. Alors ils suivent justement les parties qu'ils ont jouées là. Alors ici, voilà, on suit complètement la partie où Kasparov avait perdu. D'habitude, il joue ici A7, A5.
Alors que Bobby Fischer jouait plutôt C7, C5. Ce qui est terrible, c'est que après l'échange de dames, on voit mal comment les blancs vont résister. Kamsky a pas l'air de trop se démonter. Et Kasparov refuse d'échanger là. Il veut un finish plus net. Il aurait bien sûr pu échanger les dames et gagner tranquillement, mais non. Il va peut-être écœurer un peu plus un adversaire éventuel des prochaines années. Et puis aussi, n'oublions pas que c'est le 100e anniversaire d'Alekhine. Ça serait quand même dommage d'échanger les dames après une si belle partie et peut-être un finish avec un mat. Maintenant. Premier coup actif des blancs depuis très longtemps. En fait, actif qui attaque un pion. Là, Kasparov peut jouer tour E1 échec. Puis dame prend F3 menaçant mat en G2. Exactement, c'est voilà. Ce qu'il fallait. Et il attaque aussi le fou A3. Oh là, une partie fabuleuse. Je crois que là, Kamsky va bientôt être obligé quand même d'abandonner. Non, il continue jusqu'au bout. Quelle partie éblouissante. Kasparov a pas l'air... On pourrait avoir un plan sur Kasparov parce qu'il a pas l'air de trop s'inquiéter. Hein. Il regarde même plus son adversaire. Là après... Donc regardez, la menace... Pions de moins, c'est une pièce de moins. La menace, c'est dame prend G2 échec et mat. Et en même temps, le fou A3 est attaqué. Kamsky peut pas continuer cette partie. Maintenant... Bon, bah, dame prend fou, c'est une pièce de plus ainsi que 3 pions. C'est... 4 pions, qu'est-ce que j'ai. Et ce qui est intéressant, c'est que Kasparov réfléchit. Oui, il veut vraiment le soigner. Non, dame prend un 3 maintenant. Pas de raison. Ah, on a bien vu Bobby Fischer continuer une partie avec une tour de moins hein, récemment dans son match contre Spassky. C'est l'école américaine, Pierre. On n'abandonne jamais. Il faut rappeler que Kamsky est champion des États-Unis en titre. On parle du fighting spirit anglais, mais c'est rien à côté des Américains. Il se méfie encore quand même. Souvenez-vous, dans la première partie, alors que tout était facile, Kamsky avait inventé une espèce de piège incroyable. Ou est-ce qu'il est en train de lui concocter une attaque de mat? Ah non, mais attention, il y a un coup amusant sur dame prend A3, il y a tour C3 en fermant la dame. Voilà pourquoi il ne le prend pas, ce fou. Voilà le piège. Comme quoi, il faut être très très méfiant. Il faut faire toujours c'est un malin, ce Kamsky. Voilà. Bien vu, Nicolas. Alors là, il y a une menace blanche, peut-être, c'est tour prend D7. Car si tour prend D7... À ce moment-là, le pion prend la dame. Voilà. Le champion du monde n'est pas tombé dans le dernier piège de Kamsky. Alors, il défend son pion B5, mais Kamsky, mais c'est incroyable quand même. F3. Oulala, ça devient très difficile. Ouais. Là, ça devient assez horrible même. Maintenant, dame H3 a l'air de... Par exemple, dame H3 a l'air vraiment de terminer la partie. Car si tour prend D7, maintenant on peut tranquillement faire dame prend D7. Ou tour prend G2 avec prend G2. Ou tour prend G2, voilà. Voilà. Ouais, le jeu est là. Là normalement. Vous voyez qu'il faut quand même rester très très vigilant. Si on s'était précipité sur le fou A3, comme à cette cadence on aurait pu être tenté de le faire. Eh bien, on serait tombé dans un dernier piège. Kasparov a préféré faire attention. Il a tout de suite trouvé son chemin. Alors, c'est devenu presque un leitmotiv à chaque fois qu'un joueur gagne le toss. Eh bien, il choisit de commencer avec les noirs, c'est ce que vient de faire Viswanathan Anand. Ça aurait été intéressant de voir si Kasparov avait gagné le toss, s'il aurait pris les blancs ou les noirs. Je pense qu'il aurait pris les blancs. Moi, je crois que ce sont les deux joueurs les plus agressifs et les plus courageux du tournoi, c'est-à-dire Joël Nottier et Kasparov, qui a priori auraient pris les blancs pour commencer. J'ai demandé à Kasparov la couleur qu'il choisirait en cas de tie-break, 6 minutes avec les blancs et l'obligation de gagner, ou 5 minutes avec les noirs, il m'a répondu. La position de champion du monde m'oblige à choisir les blancs. Je crois qu'au-delà effectivement de sa position de champion du monde, c'est aussi quand même dans son tempérament de chercher le gain dans toutes les parties et pas de jouer pour la nulle.
voyez, Kasparov prend un certain retard à la pendule déjà. Il est sous pression, bien qu'il ait les blancs, et bien c'est Anand pour l'instant qui semble avoir une très légère initiative, Olivier. Eh bien oui, car pour l'instant les adversaires de Kasparov, notamment Poulougaïevski, avaient réussi à l'inquiéter sur la position. Mais autant, véritablement, aucun de ses adversaires n'avait réussi à l'inquiéter. Donc, peut-être une situation un petit peu nouvelle pour le champion du monde, qui doit affronter cette difficulté nouvelle pour lui dans le tournoi, un joueur qui le met mal au temps. Voilà, il est à la fois sous pression en ce qui concerne la position, qui n'est pas extraordinaire pour lui, et puis à la pendule. Donc. Alors cet échec... Pourquoi cet échec, Eric ? Alors on a l'impression que bon, Garry Kasparov aurait pu tout de suite jouer le coup fou E4, mais en forçant le roi à aller en H8, je pense que c'est une idée lointaine, c'est-à-dire qu'en finale, le roi pourra peut-être être loin du centre. Et voilà. Puis souvent, lorsque le cavalier F3 viendra en E5, qui est sa case naturelle, eh bien le pion F7 ne sera plus défendu par le roi, et la case F7 ou la case G6 pourront être des motifs de combinaison. Alors le coup donc fou H7 échec qui vient d'être joué au coup précédent est ce qu'on appelle aux échecs un coup intermédiaire, c'est-à-dire qu'avant de placer le fou en E4 là où il l'a fait, eh bien il a joué un coup intermédiaire où les noirs avaient une réplique forcée. Il était certain que les noirs joueraient le coup roi H8, c'était en effet le seul autorisé par le règlement, et donc en jouant d'abord cet échec, Kasparov était sûr de ne pas perdre de temps et donc sûr de pouvoir placer, de réaliser son idée qui est de placer son fou au centre. Alors, fou A4. Maintenant, la dame C2 est attaquée. Donc, Anand veut chasser la dame de cette diagonale. Pourtant, une idée bien curieuse, puisque la dame en E2, maintenant, occupe une position bien plus agressive, puisque celle-ci peut se diriger à tout moment vers la case H5, d'où elle sera en très bonne position d'attaque. Oui, notamment elle attaquera la case F7 dont tu parlais tout à l'heure, qui est maintenant un petit peu affaiblie dans la mesure où le roi ne la protège plus. Le champion du monde a un très gros avantage. On peut dire maintenant qu'il a encore augmenté son avantage, puisqu'on voit les pièces noires à l'aile dame, le cavalier B6, et le fou en A4, Eric. Oui. Eh bien, joue des rôles un petit peu de spectateur si les blancs. Voilà. Voilà, justement. Joue des rôles de spectateur si les blancs commençaient à monter une attaque sur l'aile roi. Donc, pour cette raison, Anand décide d'échanger ce cavalier posté à E5, qui est très très embêtant, car il attaque F7 et il occupe une position centrale très forte qui empêche également ici les noirs de jouer par exemple le coup fou C6. Donc on voit à quel point un cavalier posté au centre peut être très important. Donc l'idée stratégique des noirs pour se défendre, c'est d'arriver à éliminer ce cavalier, par exemple en jouant cavalier D7 prend cavalier E5, et après la prise quasiment forcée fou G3 prend E5, les noirs pourraient un peu soulager la position par fou C6, Olivier. Alors je t'arrête, Eric, j'ai l'impression que Anand est dans une très très mauvaise passe maintenant, puisque sur cavalier prend E5, les blancs feraient fou E4 prend B7, avec une position déjà gagnante. Ah oui, puisque maintenant, tour B1 a attaqué deux fois. Voilà, Anand joue le seul coup. Kasparov donc va sans doute prendre le fou avec son cavalier E5, donc cavalier E5 prend C6. Forçant les points doublés. Et maintenant, la position noire est véritablement très très mauvaise. On voit que il n'y a une seule colonne ouverte que les blancs occupent, et les noirs ne peuvent rien faire contre cette colonne, car le fou G3 contrôle la case B8. Oui. Donc, c'est terrible ça. Le dernier coup de Kasparov est très puissant, Olivier. Alors regardez ce qu'est obligé de faire Anand, il est obligé de se contorsionner. C'est un massacre pour l'instant, on peut dire. Mais Anand est vraiment très très agile dans ce type de position. Mais contre le champion du monde, on a du mal à imaginer qu'il va retourner cette situation. Regardez, comparez l'activité des pièces blanches. Les deux fous occupent des positions
très forte. Ils sont braqués sur les dames des noirs. La tour blanche occupe une position très forte sur la colonne ouverte. La dame blanche est active, alors que les noirs ont donc deux tours passives, occupant des postes défensifs. Le cavalier est revenu à sa case initiale. La dame en C8 est uniquement défensive. On voit à quel point une mauvaise ouverture peut tourner mal très rapidement. Alors ne soyons pas trop... Kasparov doit être d'ailleurs surpris d'avoir obtenu aussi vite un gros avantage. Il avait réalisé aussi cette performance contre Kramnik, puisqu'il l'avait battu en 25 coups. Oui, dans la deuxième partie. On appelle ce type de partie une miniature. Alors ici, Olivier parlait d'un massacre. C'est évidemment un massacre positionnel, puisqu'on peut voir qu'il n'y a aucune attaque contre le roi adverse. Par contre, les blancs dominent totalement l'aile ouest de l'échiquier. L'autre énorme avantage, Olivier, c'est cette paire de fous contre le fou et le cavalier. Alors, bien sûr, ici, Kasparov pourrait gagner un pion en jouant fou prend B8. Fou prend cavalier B8, tour prend cavalier, et puis fou prend C6. Mais il n'a pas intérêt à le faire immédiatement, car il désire un avantage encore plus grand. Il n'est absolument pas pressé pour gagner ce pion. C'est bien les blancs qui ont l'avantage. Gros même, très gros avantage. Ici, moi, j'aurais envie de faire le coup tour B1, B2. D'abord pour défendre le pion A2 en cas de dame A6. Et puis aussi pour donc doubler les tours sur la colonne ouverte avec tour F1, B1. Alors ce doublement des tours sur la colonne B permettrait non seulement d'attaquer le cavalier à B8, mais aussi de rentrer avec la tour à B7 éventuellement, sur la 7e rangée. Et si les blancs, comme tu le dis Nicolas, si les noirs, pardon, réagissaient avec F7, F5, ça serait encore un nouvel affaiblissement. Alors, fou E5. J'ai l'impression qu'il vise l'aile roi tout d'un coup. Et qu'il veut provoquer justement un affaiblissement par F7, F6. Alors une autre raison pour laquelle le champion du monde n'a pas gagné un pion par fou prend B8, tour prend B8 et fou prend C6, c'est qu'après on aurait eu en présence sur l'échiquier des fous de couleurs opposées. Ce qui est toujours un petit peu problématique à gagner. Alors justement, avec cette idée, je vois le coup cavalier en D7, est-ce que c'est pas jouable, Eric? Avec l'idée que sur fou prend pion, il y aurait cavalier prend fou en E5, puis donc la présence de fou de couleur opposée. Oui, alors l'idée, Nicolas, c'est après cavalier D7, si les blancs prennent le pion C6, effectivement ils attaquent la tour n'a pas de case, par exemple sur tour B8 on ferait simplement fou prend B8, mais heureusement les noirs disposeraient du coup intermédiaire, cavalier prend E5, attaquant la dame. Ah, il choisit un autre coup, F5. Qui semble beaucoup plus risqué que le coup cavalier D7. Ah là là, une menace de mat en G7, la dame menaçait dame prend G7 mat. Avec ce coup intermédiaire, dame G3 qui menaçait donc dame prend G7, les blancs peuvent maintenant... Ah, ils ramènent leur fou en D3. Oui, on se serait attendu à fou F3, Olivier. Oui, j'avais l'impression qu'il voulait laisser son fou blanc sur la grande diagonale, mais en fait, il considère que... Le contrôle de la case A6 est plus important puisque seulement le coup dame A6, éventuellement après un échange en E5, permettait aux noirs d'avoir un petit peu de contre-jeu, c'est-à-dire de sortir leur dame. Avec le coup donc fou E4 à D3, eh bien Kasparov empêche même fou prend fou E5, dame prend E5 et dame A6. Qui permettrait encore aux noirs d'espérer avoir un peu de contre-jeu. Il y a peut-être aussi une autre idée, Olivier, c'est de garder ce fou braqué sur l'aile roi, et au cas où il y ait par la suite un coup comme E4, d'ouvrir les lignes contre le roi noir. Alors là, Kasparov va sans doute jouer C prend D4, avec l'idée de faire pression sur le pion C6 arriéré. La position d'Anand est vraiment peu recommandable pour le joueur débutant. Il semble jouer vraiment d'une façon très très passive. Il faut dire qu'il n'a guère le choix.
Stratégiquement, on peut dire que la lutte est terminée. Est terminée puisque les blancs ont déjà tous les atouts en main. Alors on va essayer de regarder un petit peu. Ils ont ici un îlot de pions très fort, une chaîne de pions très forte. Une colonne C ouverte contre un pion isolé et faible, c'est-à-dire que par la suite, les blancs, par exemple, en jouant tour C1, éventuellement en recyclant leur fou, ils pourront taper sur la cible en C6. Et par-dessus le marché, ils ont une très forte dame puissamment installée au centre de l'échiquier. Sans compter que la tour noire en A8 et le cavalier en B8 sont hors-jeu pour l'instant. Donc voilà ce qui fait dire à Nicolas et Olivier que les blancs ont un très gros avantage. Et la dame blanche est très bien centralisée sur la case 5. Voilà. Il suffit en général de comparer l'activité des pièces des deux camps et puis aussi la coordination de ces pièces. Regardez la pauvre tour noire sur la case F6, elle fait vraiment peine à voir. Elle est là uniquement, elle a été sur cette case pour défendre un pion et vraiment elle n'a aucune activité intéressante. À partir de cette case, il faudra qu'Anand reperde du temps pour la remettre en jeu. En fait, c'est un ensemble d'avantages puisqu'une meilleure structure de pions, une meilleure. Alors Anand est assez extraordinaire pour trouver du contre-jeu à la vitesse grand peu. Voilà, il vient de me démentir, il veut faire jouer cette tour dont je parlais à l'instant. Là. Il tente quand même un petit peu ses dernières chances, mais il a raison. Alors une des idées, Olivier, on a l'impression, c'est de pousser ce pion à F3 pour essayer de créer des menaces autour du roi. Voilà justement le coup qui empêche ça. Anand va sans doute jouer E5 maintenant peut-être pour que la tour défende. Quelle est l'idée d'Anand maintenant? Alors le pion C6 est attaqué. Donc ça va très mal pour l'Indien. Il part la tour et par le fou. Et il est défendu que par la dame. C'est le moment maintenant où les noirs vont devoir céder un pion. Pour l'instant l'égalité matérielle a été respectée. La différence se situait du côté de l'activité des pièces. Évidemment, Kasparov avait un gros avantage, et même maintenant, on va transférer ça sur le plan du matériel. Les blancs vont gagner un pion, par exemple le pion A7, il n'y a plus qu'à le cueillir. Voilà, qui est fait. Sans doute l'échange des tours de la part d'Anand. Est-ce qu'on ne peut pas envisager, par exemple, tour A8 et tour prend A2, Nicolas ? Intéressant, mais le pion C6 viendrait à tomber, mais effectivement la tour noire pourrait trouver quand même des possibilités d'activité, mais je pense quand même qu'après tour en A8, la dame blanche vient sur B7 avec une fin de partie sans doute gagnante pour les blancs sans trop de problèmes. Oui, puisqu'après dame B7, on ne peut pas gagner le pion A2, car après tour A8, dame B7, si tour prend A2, et bien la dame C8 resterait en prise. Et après dame prend dame, tour prend dame, eh bien tour prend A2 est toujours impossible à cause du cavalier D7. Et là maintenant les blancs vont commencer à menacer l'intrusion de leur tour sur les 7e ou les 8e rangées pour dévaster maintenant le camp noir. Alors on voit que le roi en H8 n'est pas très très bien passé puisque le fou en E4 lui ôte une case importante, la case H7. Donc s'il y avait une pénétration de la tour blanche sur la 8e rangée, bien ça serait un gros désastre. Oui, par exemple, si le cavalier vient à bouger, cette tour en B8 serait très puissante. C'est pour cette raison que maintenant on voit Anand qui joue tour F8, qui consolide sa 8e rangée. Alors il a perdu un pion, et généralement on dit que pour concrétiser un peu cet avantage d'un pion, il faut rentrer en finale. Donc on peut très bien imaginer ici le coup dame B7. À la fois pour échanger les dames et également pour attaquer le pion C6. Voilà, et peut-être aussi une troisième idée pour permettre au pion A de filer à dame. Ce qui est impressionnant, c'est que Kasparov n'a pas pris beaucoup de retard à la pendule. Il a 2 minutes de retard et il tient l'Indien sur la pendule. Dans tout le tournoi, Anand a tout de même souffert assez souvent avec les Noirs. Il avait souffert contre Adams, contre Baréf Chirov. Un peu moins hier,
surtout à dames et Chirov. Il est beaucoup, beaucoup plus fort avec les blancs, l'Indien. Beaucoup plus dangereux. Ici, il s'est contenté d'une politique assez attentiste avec les noirs. Voilà, dame B7. Donc, menace d'échanger les dames, rentrant dans une fin de partie gagnée, on peut le dire, et en même temps, on attaque le pion C6 avec la dame B7 et avec le fou E4. Alors, elle serait relativement facile à gagner, cette fin de partie, puisque d'abord, il y a l'avantage matériel. On a un pion A en A2 qui est passé. Et puis, d'autre part, le pion C6 est faible. Et le fou est supérieur au cavalier. Ça fait beaucoup trop d'avantages. C'est pour cette raison que Anand donc, évite à tout prix d'échanger dame. Ici, il pourrait tenter de jouer dame F6. Avec l'idée que... Voilà. Oui, donc l'idée d'Olivier Joumande, dame F6, c'était de jouer dame F2, échec au roi. Et après roi H1, on faisait dame F1, échec et mat. C'était un petit piège. Alors, sur dame F6, on jouait évidemment fou F3 pour fermer cette colonne F. Et le piège était de très courte durée. Maintenant, on s'aperçoit que le pion A2 va être terrible. Car il peut tranquillement marcher jusqu'en A8. Donc ici, il y a deux pions de moins pour Anand. Qui a maintenant une position au moins, même s'il a deux pions de moins, on peut dire que c'est un peu mieux que tout à l'heure parce que ses pièces sont maintenant actives. Le cavalier enfin a trouvé un poste intéressant. Oui, on peut imaginer d'ailleurs, Olivier, que par la suite, il joue un coup agressif comme par exemple dame G5 qui attaquerait à nouveau le pion E3. Vous estimez donc que après fou prend cavalier, les noirs reprendraient avec le pion? Ou avec la dame, avec le pion. Avec le pion. Seule façon de trouver le... Donc deux pions de moins pour Anand. Mais la présence des dames sur l'échiquier lui garantit quelques espoirs encore de pêcher, comme on dit, en eau trouble. Oui, en plus, il joue vite et il peut poser des problèmes à... On voit que à chaque fois que Kasparov propose une simplification, Anand est contraint de la refuser. Justement parce qu'il a deux pions de moins. Alors avec son dernier coup, Kasparov défend le pion E3. Et fait pression sur le pion D5. Ici peut-être, on peut imaginer très bien le coup H2, H3. Voilà. Voilà. Parce que il veut donner un petit peu d'air à son roi. C'est bien normal. Attaquant pion A2. Alors Anand est très fort dans ce petit jeu de chat et oui. Vraiment très fort. Ici, le pion A2 n'est pas vraiment attaqué parce que les blancs joueraient tour F8 échec. Alors si tour prend F8, dame prend A2. Et si roi H7, dame D3. Alors voyez, encore plus simple. Maintenant si dame prend A2, dame prend dame et tour prend D5. Avec une finale de tour, gagnée. Ces matchs interminables contre Karpov ont permis à Kasparov, j'ai lu ça souvent, et il l'a confirmé de nombreuses fois, de faire des progrès énormes en fin de partie et en technique en règle générale. Là, on va voir sa maîtrise dans les positions simples. Je pense qu'il va pas faire long feu avant de gagner cette partie. Hier, contre Kamsky, il a eu un matériel d'avance aussi. Il avait à un moment une pièce de plus. Et on était un peu inquiet pour lui parce que Kamsky avait trouvé une façon de brouiller un peu les cartes, mais Kasparov s'est montré impérial. Quand il a eu très peu de temps à la pendule, il a montré vraiment la maîtrise du champion du monde. Échec. Il va jouer tour E5, voilà. Ouais. Il part ainsi l'échec. Alors tour E8, le coup de tour D8 serait maintenant inutile. Bien sûr, les blancs ne pourraient pas prendre la tour car celle-ci est clouée par le roi. Mais les blancs viendraient prendre tranquillement le pion D5 avec leur dame, avec un troisième pion de plus. Donc en fait, la tour D8 est maintenant immobilisée à la défense du pion D5. Et Kasparov, puisque le roi de Kasparov est tranquillement défendu, il va pouvoir pousser son pion A. Et voilà qui est fait. Alors il pousse son pion A.
les noirs vont être obligés de revenir sur ce pion A car pour se défendre contre l'avancée du pion A. Et ensuite, eh bien, le pion D5 sera pris sans doute à un moment ou à un autre. On échangera peut-être le pion A contre le pion D5. On verra ça tout à l'heure. Alors Anand attend parce qu'il est complètement immobilisé en fait. Ses pièces sont immobilisées par la pression sur son pion central. Il ne peut qu'attendre avec le roi. Il est ligoté. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Kasparov a très bien défendu sa position, mis son roi à l'abri, exercé une pression sur le pion D5 avant de commencer la poussée de son pion A. Alors bien entendu, Anand va au maximum ralentir l'échéance, il va ralentir la poussée de ce pion A tant qu'il pourra, et puis il résistera avec un seul espoir, évidemment, à la pendule. En fait, sa stratégie un petit peu attentiste, qui avait très bien marché jusqu'à présent avec les pièces noires, est à rude épreuve aujourd'hui contre le champion du monde. Alors il va sans doute devoir reculer sa dame dans le coin, en haut à gauche, pour défendre son pion central, tout en évitant l'échange des dames. On est donc sur la case A6. C'est dramatique pour Anand aussi, parce qu'il n'y a absolument aucun objectif dans le camp blanc qui soit attaquable. Tout est défendu harmonieusement. Alors évidemment, Kasparov doit préparer la poussée de son pion à gauche, son pion passé, on dit aux échecs. Mais bon, on lui fait confiance pour trouver la manœuvre, sans doute dame en B5. Non, dame en C7. Alors souvent d'ailleurs, sa politique va se terminer par une attaque directe sur le roi. Dame F7 maintenant, sera un bon coup. Oui, qui attaquerait à nouveau le pion D5 et qui menacerait éventuellement tour E7 avec une tour en 7ème. Mais alors donc il doit une menace de mat en G7. Il doit hésiter quand même à se séparer prématurément de son pion A5. Je pense que normalement un dame F7 est très très fort, effectivement. Ah, dame D7, sans doute plus fort. Et non, il ne veut pas donner son pion. Est-ce qu'on ne revient pas à la même situation que tout à l'heure par tour B8, Olivier ? Non, parce que maintenant, sur tour B8, les blancs pourraient tranquillement jouer dame prend D5 avec un troisième pion de plus. Exact. Donc, Anand fait ce qu'il peut pour bloquer ce pion. Il y arrive, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est étonnant, il va peut-être le capturer. Ah non. Ah non, mais on peut faire peut-être tour prend A6, mais comme dit Olivier, on échangerait le pion A contre le pion D. Donc le troc va s'effectuer, le pion A contre le pion D. Et après l'échange de dames, il y aura le pion D4 et le pion E3 passé sans compensation. Donc Eric, on fait un petit point. Après voilà, dame prend A6, donc voilà qui est fait. Échange des dames, tour prend pion. Et on a cette finale complètement gagnée. Avec deux pions d'avance. Ce qui était terrible, c'est qu'avec l'installation de son roi en H2 et la tour en 5, Anand ne pouvait absolument pas pêcher en eau troupe, comme disait Nicolas, car ce roi était vraiment bien caché. Alors Anand continue. Ouais, il faut se battre, il va se battre jusqu'au bout. Mais ça va être très très difficile, surtout qu'il reste plus de 4 minutes à Kasparov pour réaliser son avantage. Oui, c'est beaucoup trop. Kasparov serait capable de réaliser ce type d'avantage même s'il lui restait 30 secondes à la pendule. Alors, c'est très difficile de savoir s'il y arriverait avec moins de temps, mais avec 30 secondes, c'est sûr qu'il y arriverait. Très facilement. D'ailleurs, il prend tout son temps, on voit. Sur l'échiquier, il aurait pu pousser tout de suite ses deux pions. Non, il pousse les pions. Allez le roi. J'ai l'impression qu'il veut vraiment torturer son adversaire, Olivier. Oui, je crois que Anand va abandonner. Je crois que là, la position de Kasparov est intenable. Et c'est difficile de trouver un coup maintenant. Par exemple, sur tour B5 échec, on ferait simplement D5. Et les noirs, voilà. Alors il part la menace tour A7. Maintenant, le seul coup... Kasparov qui a pris sa dame. Voilà. Voilà. C'est... On
Donc ce n'est pas une surprise, Vismanathan Anand est un joueur de pion roi et nous allons donc assister à une partie sicilienne avec, vous le savez, l'objectif primordial d'Anand, arriver à l'emporter pour arracher les blitz de départage. Alors Pierre, nous avons la chance d'avoir en cabine Joël Lautier qui va nous aider un petit peu. Qu'est-ce que tu as pensé de la première partie, Joël ? Kasparov a déjà 80% du trophée Imopar dans sa poche ou pas ? Ah non, c'est pas clair du tout, parce que Anand est un joueur qui a quand même de la ressource, et avec les blancs, je pense qu'il va lui sauter à la gorge, donc il va falloir qu'il fasse attention. Parce qu'on peut pas dire qu'Anand avait déjà été très nettement dominé par Adams dans la première partie, en huitième de finale, et qu'il avait quand même réussi à se qualifier brillamment ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on l'a vu dans cette partie, il avait pas grand-chose avec les blancs, la deuxième, et puis il a fait durer la partie, et il a des nerfs assez solides quand même. Alors Andrew Page, qui est l'homme d'affaires de Kasparov, m'a dit ben, « J'espère quand même qu'il va gagner, parce que sinon on va passer une très mauvaise soirée. » Oui, ça c'est sûr. Un coup un petit peu surprenant là, d'Anand à 3. Effectivement, si les noirs prennent le cavalier, ils se font enfermer la dame par fou au 3. Mais je ne sais pas si ce coup a déjà été joué, en tout cas il ne me dit rien. Alors moi j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer ce coup, puisque Michael Adams le joue souvent, et j'ai perdu une partie avec les noirs. Justement avec cette ouverture. Donc Eric, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus lentement ce qui se passe sur Dame prend cavalier D4 très vite, donc ce que vient de nous dire Joël? Alors sur Dame prend cavalier D4, on joue fou E3. Et on voit que la Dame en D4 n'a aucune case de retraite. Puisque la case B4 ici est contrôlée par le pion A3. Qu'est-ce que tu penses du temps là quand même? C'est inquiétant ce qui se passe. Ce qu'il y a surtout, c'est que Kasparov, qui était à peu près à égalité avec Anand au temps, là, réfléchit quasiment depuis 7 minutes sur ce coup. C'est quand même un aveu sur sa position. D'ailleurs, en plus, si on regarde bien son visage sur les écrans latéraux, on constate qu'il a fait la moue, il a hoché la tête de manière dubitatif en disant « j'ai une mauvaise position ». C'est un véritable aveu qu'il a fait à la caméra. Joël, qu'est-ce qui se passe finalement dans la tête du joueur quand ses secondes s'égrènent et puis qu'il nous reste comme ça plus que 5 minutes pour finir la partie dans une position soit supérieure, soit inférieure? Mais est-ce que ça met beaucoup de pression sur le joueur? Est-ce qu'on le sent le temps qui passe? Et en fait, dans ces cas-là, c'est la raison pour laquelle on fait des fautes, c'est à cause de la pression, pas tellement forcément à cause de la position, parce qu'on a du mal à se concentrer et à calculer simplement les choses. On a tendance à... On hésite entre jouer tout de suite et un coup plus ou moins correct, et chercher quand même le meilleur coup pour essayer de garder une position qui tienne. C'est les moments les plus difficiles, effectivement. Et jouer devant un public comme ça, toi, ça doit pas te gêner beaucoup, ça doit te plaire plutôt. Ah oui, effectivement, moi j'aime bien. Mais on sent qu'il y a des joueurs que ça trouble un petit peu, qui se sentent un petit peu sous pression devant autant de monde. Alors, donc, un échange. Oui, donc il a résolu la menace tactique. On se souvient, Olivier, que la menace tactique, c'était Dame prend C4, et sur Dame prend C4, faire une fourchette en D6. Et il a résolu radicalement ce problème en échangeant ce cavalier F5. Alors est-ce qu'on peut faire un petit point sur la position? Peut-être Joël, oula, un sacrifice de qualité. Oui, je pense que c'est justifié effectivement, il faut qu'il attaque maintenant. Alors, la position donc a radicalement changé. Les blancs donc une qualité de plus. Et les noirs, en fait, espèrent des contre-chances avec le coup probablement A4, A3. Pour créer des menaces sur le roi blanc. Alors on s'aperçoit ici que le roi a des problèmes, puisque la case B2 est très faible, et par exemple après un coup comme A4 à 3, les blancs sont obligés de faire quelque chose, car leur pion B2 est attaqué par le pion et par le cavalier. En plus, le pion B5 est en prise maintenant par la dame. Alors il pourrait y avoir quand même des menaces blanches sur la grande diagonale, par exemple. Dame de E2 à F3. Peut-être une petite parenthèse, je m'excuse d'intervenir dans vos cours de lecture. Vous avez été 11 500 à venir au trophée Imopar cette année, ce qui signifie une augmentation de 30%. Alors pour l'année prochaine, continuez.
l'année prochaine où on espère pour la première fois voir Ivantchuk. Oui, il faudrait pour cela qu'il ne dispute pas un match avant le trophée Mopar, Pierre. Parce que pour l'instant, c'est ce qui l'a empêché de venir au trophée Mopar. C'est pas tellement de disputer un match, mais d'avoir perdu ces deux matchs. J'ai l'impression qu'Ivantchuk a un peu peur du public dans ce tournoi. Parce qu'on sait qu'Ivantchuk est un joueur très nerveux et... Puis il est numéro 2 mondial. Il n'aime pas trop la pression comme ça d'une audience. Numéro 2 mondial, il aurait quelque chose vraiment à prouver et à démontrer. Donc... On peut rappeler d'ailleurs que Anand, ici présent, vient de battre récemment Ivantchuk en match. En match de 6 parties. 8 parties. 8 parties. Par le score de 5 à 3, c'est-à-dire un score quand même assez net. Donc Ivantchuk a probablement perdu sa deuxième place mondiale à cette occasion. Alors Joël, avec ce sacrifice de qualité, Kasparov a complètement bouleversé la position. Oui, c'est effectivement la meilleure chose à faire, puisque maintenant c'est un petit peu lui qui a l'initiative, et sa position est devenue plus solide. En revanche, si Anand tient le choc, et n'essuie pas trop de difficultés devant l'attaque des Noirs, il aurait l'avantage en finale. Oh, il est peu probable, Eric, que cette partie se termine en finale, quand même. Oui, parce que les Noirs ont une forte attaque. Bien, les deux camps peuvent avoir l'attaque. On peut imaginer qu'il suffirait que la Dame Blanche puisse envahir le camp des Noirs, par exemple, par la grande diagonale blanche, par exemple Dame G2 ou Dame F3, et ça serait tout de suite une catastrophe. Donc, évidemment, sur le coup Dame F3, on peut envisager D6, D5, avec l'idée éventuellement de sortir le fou F8 et puis de bloquer cette diagonale. Les blancs ont un problème avec leur fou D2 qui finalement les bloque plus qu'autre chose. Peut-être roi B1 avec l'idée de jouer le fou à C1 pour un petit peu débloquer cette colonne D. Joël, roi B1. Ouais, ça me paraît un petit peu passif quand même dans cette position. Je sais pas s'il a vraiment le temps de faire un coup comme ça. Roi B1, il peut faire A3 par exemple. Alors B3, non? Oui, B3, il peut peut-être sacrifier le pion en faisant A2 échec. Roi prend. Dame à 7 échec par exemple, et puis cavalier A3 après. Une autre possibilité sur Roi B1, ce serait peut-être de faire Dame D4. Il menace en mat. C3 sur fou C3. Fou C3, non, fou c'est un meilleur. Fou C3, je préfère Dame F4. Donc on regarde roi B1, par exemple dame D4, menace en mat, maintenant fou C1. Qu'est-ce que tu jouerais toi Joël dans cette position pour les blancs alors? Difficile à dire, mais je jouerais peut-être F prend E5 ici. Ah, il choisit le coup d'Olivier, roi B1. On aurait pu aussi imaginer très bien F prend E5, parce que c'est logique après tout de chercher à ouvrir des lignes. Oui, l'une des idées de F.5, c'est que par exemple, après la prise du pion D, maintenant le coup Dame 4 était très fort, Joël. C'était ça ton idée? Oui, tout à fait, puis ça ouvrait la colonne D aussi. Et en cas de prise du pion F, on ouvrait la case G5 au fou D2. Donc, l'Indien a choisi un coup un peu plus tranquille. Alors après Dame C5 prend B5, maintenant la menace de Kasparov, c'est cavalier A3, échec. Et la dame E2, vous voyez, cavalier A3 échec, pion prend cavalier, dame prend dame, petite combinaison. Voilà, donc la menace, cavalier A3 échec, gagnant la dame. Dame F3, le coup, ou dame D3, alors voilà une surprise. Pourquoi est-ce qu'il préfère mettre sa dame en D3? À mon avis, l'idée est que si les noirs continuent par D5, il pourra faire simplement fou C1 attaquant le pion D5. Voilà. Et ensuite peut-être faire B4, B2, B3 puisque la case A3 d'échec du cavalier sera contrôlée. Alors quand même on a l'impression que Kasparov attaque avec cette dame et ce cavalier et les deux pions, on n'a pas l'impression qu'il devrait y arriver, logiquement. Bien, cette partie me rappelle aussi un petit peu la partie qu'on avait vue l'année dernière, où il avait joué contre Boris Gelfand, il avait une position perdue. Mais il avait sacrifié une qualité à un moment un peu inattendu et puis il avait réussi avec des menaces tactiques à un petit peu embrouiller Gelfand. Mais ici, dans cette partie que je cite, Gelfand avait des problèmes au temps. Alors qu'ici, c'est plutôt Kasparov tout de même qui a des problèmes au temps.
Ah, on le sent là, c'est très très nerveux, il est pas content du tout, pas content du tout. Préparez-vous au blitz. On va déjà avoir un blitz, même si Kasparov gagnait ou faisait nul, on va déjà avoir un blitz. Même si les règles en sont différentes au départ. Oui, parce que maintenant Kasparov est passé sous la barre des 5 minutes, donc on appelle ça un blitz. Alors là, la stratégie de l'Indien de jouer vite est en train de payer, puisqu'il a 6 minutes d'avance. B2, B3. Avec une très très forte menace de pion prend pion échec. Voilà, donc Joël. Oui, effectivement, ça menace mat en B2. Si dame prend C2, on fait la fourchette en A3 avec le cavalier. Voilà, donc la menace c'est B3 prend C2. Et après dame prend C2 pour parer le mat, les noirs jouent cavalier A3, profitent du clouage du pion B sur le roi. Et après le mouvement du roi, on gagne la dame en C2. Alors, sans doute fou C3 en réponse. Fou C3, je ne sais pas si ça arrange vraiment les choses, puisqu'on fait par exemple B prend C2. On ne peut toujours pas reprendre de la dame pour la même raison. Si on voit prend C2, dame B3 échec, suivi de A3, ça me paraît fort. Et est-ce qu'on peut pas faire B prend C prend B3? Non, il y a cavalier A3 échec. Ah d'accord, donc sur C prend B3, cavalier A3 échec, gagne la dame, c'est l'idée. Oui, peut-être fou C1 ici, c'est plus solide. Avec l'idée de contrôler la case B3 par rapport au coup fou C3. Donc on va voir à nouveau, sur le coup C2 prend B3, qui a l'air un coup simple, les noirs ont un petit truc. Il joue cavalier C4 en A3, échec au roi, et il n'y a plus de défense sur la dame. Le roi ne peut pas aller en C2 car la case est contrôlée par le cavalier A3, et ainsi la dame blanche est perdue. Et sur le coup tour H3, les noirs pourraient faire la combinaison tour prend H4, comme un petit peu hier contre Kamsky, et si tour prend tour, alors B prend C2, et on revient exactement dans le même type de partie. Donc pour résumer, le coup serait fou C1 maintenant d'Anand. Donc fou C1 qui est un coup important puisqu'il parerait la menace de mat en B2. Joël, ce coup? Oui, un coup plus solide en fait. Puisqu'il enlève son roi des échecs que possible du cavalier en A3. Et c'est pas un peu dangereux de mettre son roi comme ça sur la colonne A, qui va peut-être s'ouvrir un jour? Mais pour l'instant il n'y a pas de tour, donc ça va. C'est quand même assez incroyable, avec une dame et un cavalier contre 4 pièces blanches, il arrive après des menaces. Il y a un pion très fort quand même, tu l'oublies. Oui, il y a des pions. Et c'est vrai qu'avec peu de pièces, il arrive avec le minimum, Kasparov arrive toujours à embêter son adversaire. Mais il a la pression du temps. D'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder à pouvoir faire des gros plans sur lui quand il va devenir un petit peu... Voilà. Il est encore très très concentré alors qu'il reste 3 minutes. Vous voyez que quand ça va mal, il arrête de faire des grimaces, Kaspar. Alors. Attention. Fausse. Maintenant, son idée, c'est de mettre sa tour en jeu. Ne pas oublier tout de même que les noirs ont la possibilité de faire petit roc. C'est vrai qu'on a un petit peu tendance à l'oublier dans cette position. Surtout, c'est un coup légal, puisque ni le roi ni la tour n'ont bougé. Alors est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, maintenant jouer fou C1, le coup de Joël, pour, sur petit roc, échanger les dames? Oui, il va sans doute jouer son roi en D7 sur fou C1. Alors, fou C1, le coup a été joué. Et donc, il y a une position... de plus en plus solide, Anand. Il a mis son roi en 1 pour échapper aux échecs, maintenant son fou en C1 qui surprotège B2, et maintenant on peut envisager des idées comme dame D5. Oui, dame D5 c'est sans doute ton idée, puisqu'il a intérêt à chercher l'échange des dames. Il a une autre pièce aussi qui peut intervenir, c'est la tour H1 qui peut aller en H3. Là, c'est l'autre possibilité pour attaquer le pion B3. A noter que si maintenant Kasparov joue pion prend pion pour dévier la dame blanche de déviser sur la case D5, eh bien Anand peut jouer quand même dame à D5. Ah, alors là sans doute dame D5 en réponse au coup de roi. Après dame D5, le problème c'est qu'on échange les dames et puis on prend le pion C2. Ah, il a trouvé des contre-chances là, Kasparov. Car maintenant, le problème d'Anand c'est que sa tour H8, la tour H8 de Kasparov rentre en jeu alors.
voyez, si elle arrive par exemple, il arrive par exemple à jouer tour A8 très rapidement, il va commencer à faire des dégâts avec l'idée A4, A3. Mais s'il y a échange de dames, Olivier, est-ce que le pion, le coup H4, H5 puis H6 là, n'est pas facilement gagnant pour les blancs? En tout cas, je crois que dans, avec cette position, vu qu'il reste 2 minutes à Kasparov, ah, il a joué tour H2. On a l'impression qu'il prépare Dame D5 justement. Puis il ne veut pas que le pion C2 soit en prise, Olivier. Il est un petit peu maximaliste, Anand. Il veut tout. Il joue un jeu dangereux là, parce qu'avec l'arrivée de la tour en A8. Le coup A4 A3 là, a l'air très très fort, non? On pourrait faire simplement Dame prend B3 pour l'instant. Je pense qu'il vaut mieux amener la tour d'abord. Ou même c'est prend B3 à la limite, puisque la tour H2 rentre en jeu. Alors Joël, faut pas négliger, il se passe des choses sur l'échiquier, mais il se passe aussi des choses importantes à la pendule. Et Kasparov n'a plus, on a l'impression, à moins de 2 minutes maintenant. Allez Vichy. Alors Kasparov, en fait, sa chance maintenant, c'est de trouver une attaque, puisqu'il n'a plus les moyens de jouer une véritable fin de partie. C'est pour ça que, sans doute, Dame D5 était plus un coup en accord avec le temps qui restait à Kasparov. Mais c'est un coup typique d'Anand, c'est un coup de bluff, puisque effectivement maintenant Kasparov doit réfléchir comment continuer son attaque, il a pas mal de bons coups, et c'est la meilleure chose à faire quand il reste 1 minute à votre adversaire. Un coup de bluff donc. Oui, c'est typique d'Anand ça. Ceci dit, il faut rappeler que la pendule qui fait foi, c'est la pendule manuelle, pas la pendule électronique, et à la pendule manuelle, il semble rester quand même un peu plus de temps. Alors est-ce qu'on pourrait pas jouer Dame D5 quand même? Eh bien, il me semble que l'idée de Kasparov est tout simplement de faire tour C5 pour éviter l'échange de dames maintenant. Oui, sans craindre l'infiltration dame E6, Joël, donc. Non, c'est juste un échec. On ferait par exemple roi D8 et on continue l'attaque de l'autre côté. Alors, quel plan adopter maintenant pour les blancs? Peut-être, Nicolas, tu as une idée? Oui, moi je jouerais quand même la dame en D5, et puis sur tour C5, peut-être la dame en A8 ensuite, en plein camp noir. J'estime qu'il doit y avoir beaucoup de ressources pour à la fois parer les menaces des noirs et puis soi-même en créer. Alors le gain blanc, normalement, il faudrait qu'il arrive à échanger des pièces. Dans ce cas-là, ce qu'indique Nicolas serait un petit peu dangereux, parce que par exemple, Dame D5, on joue tour C5, et sur la venue de la Dame en A8, on pourrait prendre le pion en C2, et sur tour prend C2, on ferait par exemple Dame B3, et on a un problème pour protéger la tour C2 maintenant. Oui, l'idée de Joël, c'est qu'on attaque la tour C2, et si cette tour C2 bouge, à ce moment-là, la tour D1 est en prise. Et le problème, c'est que ce cavalier en C4, qui contrôle la case D2, interdirait une défense des deux tours. Voilà. H5. Ce qui reste à savoir, c'est si Kasparov va réussir à mater Anand avant de tomber au temps. C'est complètement passionnant. Je crois qu'il faut vraiment garder le plus grand silence. Ça y est, premier sacrifice de déviation. Quelle est l'idée? Donc Joël, à ton avis, si Dame prend E4, que se passe-t-il? Si Dame prend E4, il me semble que l'idée est maintenant de prendre en C2 et de venir avec la Dame. En B3. La possibilité serait simplement sur Dame prend 4 de faire A3, puisque maintenant le pion B3 n'est plus attaqué. Un coup très surprenant. Alors vous voyez la pendule, on a l'impression qu'il reste un peu plus d'une minute quand même à Kasparov, en voyant le drapeau de sa pendule. Oui, effectivement, il y a une petite différence avec l'affichage électronique. On a une très belle incrustation d'image là, toujours A. Il a joué ce coup au 5-4 très très rapidement. On a l'impression d'assister à un blitz handicap, donc c'est un 5-1. Est-ce que c'est pas quand même un coup de bluff, le dernier coup pour surprendre Anand sans plus? C'est peut-être un coup fait pour gagner du temps, puisque maintenant il réfléchit, il faut absolument qu'il arrive à utiliser au mieux le temps de réflexion d'Anand pour calculer. Alors moi j'ai l'impression qu'on peut prendre ce pion quand même en E4. Alors on va regarder un petit peu. Joël, tu vas nous aider. Alors après, Dame prend E4. Tu proposes B3 prend C2. Non, je pense que A3 est plus A4, fort. A3, oui. A3. A3. Il veut dévier la dame de la case B3. Alors on peut peut-être en revenir à Dame D5, comme tout à l'heure. Mais ça ne changerait pas grand-chose à la position, puisqu'on peut continuer avec tour C5. Et la tour est pas tellement plus mal passée. Et maintenant, Dame E6. Dame E6, on fait roi D8. Et H6, peut-être on a une... Ça commence à devenir intéressant. Ça devient fou, quoi.
peut-être les noirs matent en premier. En tout cas, c'est assez difficile d'analyser parce que je suis pris complètement dans la tension. C'est ce que disait un peu Joël tout à l'heure. On est pris dans cette tension de la partie et puis on en perd un peu son sang-froid. Alors, Nicolas a l'air très très excité sur un... Oui, je crois qu'il va faire dame 6 échec et puis H6, ça a l'air gagnant. Gagnant. Et tu ne crains pas la poussée du pion A3, Nicolas. A3, c'est quand même une très grosse menace. Vous voyez, Eric explique un petit peu comment est-ce qu'on ouvre les lignes sur ce roi blanc, lentement. Voilà. Bon, alors, bon, par exemple, on va imaginer maintenant le coup dame E6 échec. Alors là, les noirs sont pratiquement obligés de jouer roi D8 pour défendre leur fou. Et maintenant, sur le coup de Nicolas H5, H6, on peut imaginer A3. Et maintenant, vous voyez, le pion A3 est en contact avec le pion B2. Le pion B3 en contact avec le pion C2. Et on fait littéralement exploser la défense de pion devant le roi blanc. Donc ce serait extrêmement dangereux. Alors il y a des murmures dans tous les sens à côté de moi, ça discute variante. Oui, effectivement, Nicolas me proposait une variante assez amusante. Dame 6 échec, roi D8, H5, H6, A3, et sur B prend A3, B2 échec, roi A1, roi A2, et là il avait oublié qu'on faisait simplement dame avec un mat. Et on peut s'apercevoir qu'Amande est en train de... Oula, C3. Il est en train de rattraper un petit peu le champion du monde à la pendule. Il n'a plus que 2 minutes d'avance. Tout à l'heure, il en avait 6. Le seul coup, puisque maintenant sur A4, A3, on voit que les blancs peuvent encore se défendre tout simplement en prenant A3. Voilà, il le joue. Puisque la tour H2 défend. Qu'est-ce qu'il a vu, Sur B prend A3, je pense qu'il va continuer simplement avec Dame A4. Il n'a pas le choix de toute façon. Dame A4 ou Dame A6. Avec une attaque, mais maintenant beaucoup moins forte, il semble. Parce que le plan blanc, en fait, c'est de jouer H6, hein, tu nous montres. Voilà. Si jamais ils ont un petit coup de repos, dame A4, voilà. Roi B1, là, non? Roi B1, on pourrait continuer par B2, par exemple. D'accord. On attaque la tour D1. On attaque la tour D1. Là, il y a une grosse menace, c'est B2, échec, attaquant le roi et attaquant la tour. Donc le champion du monde est en train de mettre une terrible pression sur... Quelle partie fantastique il se joue? Seul coup, bien joué. Oh, c'est incroyable. Là, il y a une tension fabuleuse. Regardez Kasparov. Je crois qu'il faut plus regarder les visages des joueurs maintenant que véritablement ce qui se passe parce que Dame A6. Voilà. Regardez les deux visages, la différence. Anand qui a l'air très calme et champion du monde qui n'est pas satisfait de son dernier coup. Roi B1, là, non? B2. Pourquoi pas? Tour prend le 4. Ouh là là, il attaque le fou en E7. Et oui, ça c'est terrible parce que c'est une contre-attaque. Fantastique. Ça va très mal pour Kasparov là. Et Anand il joue vite ces phases là. Tour prend E7, ça a l'air de gagner, celui de tour E2 échec. Il y a un cavalier E5 à ce moment là qui couvre et attaque la tour E2 en même temps. Il faut que l'Indien fasse attention car il est en train de... Voilà. Un coup simple. Voilà. Fantastique. Fantastique partie. Voilà. Fantastique partie. It's Queen. Miles, that was white. You start with white. Garry Kasparov avec les blancs dans cette première partie de Blitz. Deux parties de Blitz en 5 minutes par joueur. Bien entendu, le plus grand silence dans la salle, s'il vous plaît. Attention, messieurs les arbitres, c'est à vous. Premier blitz de départage, rappelons que chaque joueur a donc 5 minutes pour faire échec et mat. Je t'arrête Nicolas, il y en a un qui a 6 et l'autre qui a 5. Non, ça sera seulement Eric en cas de troisième blitz, si après ces deux blitz il ne pouvait se départager. Voilà, donc dans le troisième blitz. Alors là on a une ouverture très moderne, Joël, oui, très à la mode en ce moment. C'est une ouverture assez souple, on obtient une position très solide. Ça n'a pas vraiment de nom cette ouverture, je crois. Non, on voit que Kasparov cette fois-ci a tombé la veste pour le blitz. Olivier, tu connais cette défense, c'est très peu analysé encore. Ah oui, c'est une variante très agréable à jouer pour le blitz, justement, la partie rapide. Et Nigel Short, dans son match contre Kasparov en blitz à la TV anglaise, je crois qu'il avait utilisé ce type de défense, d'ailleurs avec succès. Anand ne se pose aucune question, c'est ça qui est bien avec lui, aucune question.
Alors il y a un coup. Il ne réfléchit pas. Voilà, c'est bien simple. Il joue toujours sans réfléchir. Il n'a pas besoin. Le coup que Anand a effectué avec cavalier C6 a l'air quand même un peu bizarre, non? On ne joue pas plutôt le pion en C6 dans c'est cette exact, mais on joue une position plus solide en, jouant, en poussant C6 et en faisant D5 après. Ah, il est probable que le plan agressif des blancs, c'est de jouer à un moment ou un autre G2, G4 et puis grand roc et de partir à l'assaut du roi d'Anand. Alors Anand pourrait avoir peur de ça et faire fou prend cavalier F3 peut-être. Ah non, il va au devant finalement de l'attaque du pion de Kasparov. Il prépare probablement le coup D5 ici. Alors, grand roc ou petit roc? Eh bien ah, voilà, ni l'un ni l'autre. Tour D1. Implicitement petit roc donc. D6, D5. Les noirs, moi je pense, ont déjà obtenu une bonne position, j'ai l'impression. Ça va très vite. Les blancs ont l'avantage tout de même, puisqu'ils ont un pion A5 très fort et le cavalier en C6 tape un peu dans le vide. Dame D7 sans doute là. Voilà. Peut-être qu'il va mettre le cavalier à D8. Pour le... Est-ce qu'on n'est pas dans une retombée dans une partie espagnole, non? Dans une... Non, c'est un petit peu le. Peut-être là le plan des noirs, c'est aussi de d'amener ce cavalier C6 à D8. Il me semble qu'Anand est ici plus obligé de faire F5 pour soutenir son cavalier. Oui, car maintenant le cavalier en F4 est attaqué une fois, deux fois, trois fois. Donc les blancs menacent de gagner un pion. S'il jouait cavalier pour un C3, ce serait une capitulation. Il resterait une position difficile à défendre. Donc il pense Joël qu'ils vont jouer F7, F5. Ouais, je pense. Voilà. Bien anticipé. Alors est-ce que Kasparov va garder son pion au centre ou prendre un passant? Oh là là, grosse. Eh oui, erreur tragique d'Anand. Il perd un pion sur un, une petite combinaison de blitz, comme on dit. Oui, car après dame prend cavalier, les blancs jouent sous ses quatre. C'est pas important pour Anand, la partie commence, vous inquiétez pas. Il a pas l'air de s'être trop inquiété d'ailleurs. Il a même pas fait mine. Oui, il contre-attaque sur le pion D4 puisque ce cavalier F3 qui défend D4 est maintenant cloué. Alors inutile de dire maintenant que les blancs ont une position gagnante. Bien que oui, ah attention, autant pour moi. Ce n'est pas si simple Nicolas, puisque maintenant le pion D4 est très faible. Voilà, ouais. Peut-être un pion D4 car la dame et le cavalier attaquent ce pion. Kasparov a peut-être commis une erreur en omettant le coup intermédiaire cavalier D5 prend fou E7 échec qui aurait sans doute évité. Attention à dame H5, hein. Il y a une menace de cavalier G6 mat. Ah voilà, sur cavalier prend D4 on aurait donc la variante dame H5. Finalement Anand ne récupère pas son pion semble-t-il. Et donc l'idée de dame H5 c'est clouer le pion H7 et menacer cavalier G6 échec et mat. Alors la dame blanche est attaquée. Ce coup là, puisqu'on peut quand même jouer dame H5. Ouais, quand même dame H5. Voilà. Dame 8, voilà le seul coup. Donc il accepte l'échange de dames avec un pion de moins contre le champion du monde. Il refuse. Mais Kasparov a raison, les pièces noires sont très mal passées. Et ben voilà, la tactique d'Anand a encore marché, il a une position foutue, mais. Il a réussi à perturber le champion du monde, peut-être. Alors autant, on peut peut-être demander une incrustation de la pendule pour voir où on en est sur la pendule. Ah, alors, c'était quand même une gaffe terrible d'avoir perdu ce pion des 5. Hein. Olivier, on dit souvent que le blitz, c'est finalement un jeu plus de réflexe que de profondeur de conception. De... Bah, disons qu'au blitz, souvent aussi, on peut commettre des bévues tactiques graves. Chose qui n'arriverait pas en partie de 25 minutes par exemple. Mais qu'est-ce que tu penses de la phrase de Fischer qui disait le blitz tue les idées? Est-ce que c'est réel ou bien est-ce que c'est une approche trop pessimiste du blitz? Oh, le blitz, moi c'est... je le prends un peu comme un amusement. Ici bon, évidemment il s'amuse mais il c'est un vrai massacre pour l'instant. Là. C'est un amusement qui peut coûter cher ici. Alors, il y a un pion de plus et positionnellement on a l'impression d'assister effectivement à un vrai massacre. Les blancs ont la paire de fous et regardez, ces deux fous sont braqués sur le roi de Anand. Ce qui est incroyable, c'est qu'Anand continue à jouer comme si de rien ne se passait. Là ça ressemble à un écrasement. Alors le cavalier B8 n'a aucune case. Et si ce cavalier B8 ne peut pas jouer, eh bien la tour A8 est condamnée.
Oh là là. On a un peu l'impression d'assister à la première partie entre ces deux-là tout à l'heure, où les noirs souffraient terriblement. Alors les noirs ont intérêt peut-être à jouer le cavalier D6. Quoi. Ouais, voilà. Garder au moins. Et alors après B5, le cavalier. Ah non, il ne veut pas. Ça, je pense que maintenant Kaspar va faire tour E1, E3, G3 tout simplement. Voilà. A5, sans doute l'idée de Anand, voilà. Il va essayer d'activer sa tour. Tour E3 à présent. Voilà. Tour E3. Ça arrive très vite. Puis on prend B4 sans doute. Voilà. Il le reprend. Tour G3 peut-être, non. Tour A4, moi je prédis le coup d'Anand. Il va attaquer le pion B4. Tour A2. Il se pose pas de questions. Non, A4, beaucoup plus mal au temps. Non, cavalier A6 bien sûr. Il faut qu'il sorte ce cavalier. Et sur. Mais les cavaliers de Anand ne sont pas bien placés pour autant. Cavalier C4, ouais, peut-être. Tour F6. Anand est incroyable quand même. Alors la tour est attaquée, il va peut-être la laisser là. Sur le blitz, on donnerait bien volontiers la qualité, non? Ah, non, il donne rien. Ça se retourne contre lui. Voilà, la dame défend la tour pour éviter le jouage. Oui. Jeu très simple de Kasparov. En fait, vous voyez, Anand a ouvert l'aile dame, puis ça s'est retourné contre lui. Oui, car ce cavalier maintenant ne peut plus bouger. Il n'a plus de case. Alors regardez la pendule, l'avantage net à Kasparov à la pendule. Ce qui est tout de même remarquable, c'est que Kasparov, même en jouant très vite, continue à faire du jeu logique. Il a une idée en tête, il continue avec H5, H6. Les coups d'Anand font un peu sourire quand on les regarde. Ce qui fait peine à voir, c'est à l'aile dame, le cavalier A6 et la tour A8 qui sont parfaitement immobilisés. Voilà, tombé. Ouais, c'est normal. Domination complète de Kasparov. Bien sûr. Alors dans la cabine, on a fait un petit jeu de pronostics et pour l'instant, Olivier René et Joël Lautier prévoient une victoire de l'Indien. De toute façon, je pense que dans la salle, Kasparov est le seul à ne pas vouloir perdre dans cette partie. Tout le monde est pour Anand, j'ai l'impression. Alors donc, à nouveau, la défense sicilienne, il me dément complètement, moi qui disais qu'il allait faire un petit début peureux. Mais la raison est simple, c'est que Kasparov ne sait rien jouer d'autre. Alors grande différence Olivier, on voit que Kasparov a choisi une sorte de variante du dragon. Non, c'est une mixture un petit peu entre la nage d'or, la dragon. C'est tout ça, c'est un petit peu du jargon. En général, de toute façon, ça ressemble plus à une dragon qu'à une nage d'or. Enfin, la dragon étant caractérisée par le fait qu'on met dans la sicilienne le fou noir en G7. On dit qu'il crache le feu, c'est ça? Oui, il crache le feu. Et aussi à cause de la structure des pions D6, E7, F7, G7 qui forment un petit peu un dessin en dragon. Alors Joël, quelle a été l'idée de dame en E1? Bah, c'est de venir en H4 tout simplement et de continuer par F5 fois H6 qui avait G5 et mat. L'idée de Joël, on pousse ce pion, on libère le fou. Voilà, donc d'ailleurs il élimine très vite le cavalier F3. On peut voir que non, on a déjà gagné un petit peu de temps. Il est vrai d'ailleurs que sur le coup E4, Kasparov n'a pas beaucoup de défense. Et c'est vrai que sa défense favorite, c'est la sicilienne, comme on a pu le voir dans ses différents matchs contre l'ancien champion du monde, Anatoly Karpov. D'ailleurs, Karpov a arrêté de jouer E4 contre Kasparov car il avait trop peur de la sicilienne. Un coup un petit peu peureux de Kasparov là, qui veut échanger les dames, visiblement. Toutes les pièces blanches se massent sur les rois. Alors, la réaction d'Anand face à cette poussée centrale, Joël? Eh bien, s'il joue E5, Kasparov, me semble-t-il, jouera cavalier E8, attaquant la dame, menaçant d'échanger les dames, et sur le retour de la dame, il peut pousser D4 gagnant une pièce. Je dis en E8 parce que si le cavalier revient en D7, les blancs pourraient faire dame F2, empêchant la fourchette D4. Alors, il va échanger, ah non, F5, et là, on n'a pas peur de cette fourchette, justement? Bah non, puisqu'on continue avec fou H6 avec une très forte attaque. Donc ça implique un sacrifice d'Anand alors, deux pièces. Alors regardez, si les noirs jouent D4, ils attaquent le cavalier et le fou.
Et là, Joël préconise fou H6. Fou G5, il paraît très fort aussi. Ah. Fou G5. Kasparov se méfie terriblement. Et il n'accepte pas le sacrifice de pièces. Il préfère jouer ça qui a l'air très fort, hein, qui semble gagner oui, le pion en F5. Très solide, effectivement. J'ai l'impression qu'Anand a un peu oublié. Peut-être qu'Anand va capturer en G6. Non, il peut pas non plus. Ça va mal pour Anand alors. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'après la prise du pion en 4, les noirs peuvent récupérer le pion F5 avec un pion de plus et une position solide. Alors Joël, tu penses que c'est une gaffe d'Anand ? Ah oui, tout à fait, je pense qu'il a simplement oublié que Kasparov pouvait intercaler ce coup et puis prendre un F5 ensuite. Donc le temps de retard qu'avait Kasparov s'est transformé en un pion de plus. Ah oui, c'est terrible, c'est comme les pénalties au football, tout se gâche en un tir au but, là, en un coup. C'est quand même surprenant dans les deux blitz de voir Anand faire. Il donne une pièce. Alors, ça y est. Et Kasparov ne se pose pas de questions. Oh là là. Oh là là. Oh. Sacrifice de pièce. Vous voyez tous que le cavalier noir ne peut pas prendre ce fou. Il y a échec et mat. De la dame en H7 en haut à droite contre nous, Eric. Voilà, si le cavalier prend ce fou, il quitte la défense de pion H7 et les blancs joueraient dame prend H7. Mais Nicolas, que se passe-t-il si pion prend fou ? Eh bien, dans la même idée, Anand jouerait tour prend cavalier. Voilà, éliminant le défenseur de H7. Donc Anand a réussi à trouver quelque chose, Olivier. Cavalier H5 semble être intéressant ici. Mais après cavalier H5, on pourrait continuer avec fou G5. Ou fou prend tour F5 aussi. De toute façon, il y a toujours un pion de plus pour le champion du monde. Oh, un joli coup d'ailleurs. Libère la case F8 tout en attaquant le fou E3 et le fou E4. Est-ce que le coup fou G5 n'est pas envisagé ici ? Attention à l'échec en D4. Oh là, attends, qu'est-ce que c'est ça ? Et s'il prend ce fou ? Fou H6 probablement, fou G5. En tout cas, il mise tout sur l'attaque maintenant, l'Indien. Alors effectivement, on a l'impression qu'il a fait une gaffe et il se lance à corps perdu dans l'attaque pour remonter le handicap. J'ai l'impression que Kasparov a décidé de prendre aucun sacrifice d'Anand et Anand continue à sacrifier pour voir jusqu'où il peut aller. Alors il va peut-être sacrifier lui-même en E3, Kasparov, non ? C'est vrai que ce fou fait une montée sur les pions blancs et il a déjà pris le pion E4. Ah voilà, ça y est. Il accepte le sacrifice, c'est du bluff. Voilà, il prend. Vous oui, parce que sur fou H6, il y a le coup très fort, dame D4 échec. Alors tour prend F5. Anand ne se pose aucune question. Oh, ça va jouer autant, j'ai l'impression, c'est de ce blitz. Il faudrait que le réalisateur nous montre absolument l'incrustation là, bien de la pendule. En gros plan la pendule donc. Pour qu'on soit exactement renseigné sur le temps qu'il reste aux deux joueurs. Puis c'est jamais très agréable quand il reste peu de temps de subir cette pression. Anand a finalement trouvé un contre-jeu intéressant. Alors ici il y a un coup très fort évidemment. La tour blanche qui est attaquée par la dame est en même temps clouée. Dame en F2, est-ce que le coup cavalier G4 ne gagne tour 8 échec. Attention, tour 8 échec. Ah, oui, oui, mais sur tour 8 échec, est-ce qu'il n'y aurait pas tour prend tour ? Non, ah non, tour car la qui tour revient, peut après. Couvrir en F1. Alors on remonte très vite. Mais attendez, j'ai l'impression que ça marche quand même. Cavalier G4, tour 8 échec, fou tour prend E8, il fout des 4 échecs en fin de variante. Voilà. À la fin, oui. Ouais, donc c'est fini. Alors Kasparov va sans doute il va le voir. Il va le voir. Cavalier G4 gagne. Apparemment, cavalier G4 gagne. Voilà, alors, voyons ce qui va se passer. Anand a compris ce qui était en train de lui arriver. C'est tragique. Ouais. À moins qu'il y ait une pointe qui nous aurait échappé. D'un point, il jouera d'abord tour 1 échec, fou des 4 échecs. Voilà, tour 1 échec d'abord. Ah, là il perd le cavalier. Ah, il va faire tour 1 échec maintenant. Voilà. Tour F1, tour point F1 et cavalier prend des 4. Un cavalier de plus. Qu'est-ce qu'Anand va faire ? Alors le seul espoir. C'est terminé, mais il est en avance autant, donc il va continuer de toute façon. On voit la satisfaction de Kasparov très nette. Alors là, c'est une pièce en moins. On voit la dextérité de Kasparov qui va tout prendre maintenant.
Thank you.